pas trop d'étiquette hein, Non. D'accord. Alors, monsieur, pour accompagner votre apéritif, on a fraîcheur d'aneth, concombre et cerise. Bon, du couvert. Alors, pour le pain, nous aurons deux variétés. On aura un pain aux céréales qui viendra de la boulangerie Savary de Château-Giron, ainsi qu'un pain au levain qui lui sera fabriqué sur place par nos pâtissiers. Donc, je vous invite à l'ouvrir et à le découvrir. Très joli. Alors, messieurs, dames, là, on se retrouve. Une assiette glacée. On a salade de courgettes crue. On a tartare de veau cuit à 53 degrés. Et là, on trouve une feuille de basilic frais. Et là, on a l'huile de mac douce et basilic. Il faut renverser l'huile. On a découvert. Alors, messieurs, dames, votre plat, il est autour de maquereau, crème fromage, purée de fenouil et de la rose. Et là, on a chips de riz. Bonne découverte. Voilà. Ah, pourquoi après, je fais le montage. Non, en tout cas, Marc, sous-chef de cuisine de la table des pères. Depuis combien de temps? Depuis l'ouverture ici, depuis juin 2017. Exactement. Okay. Macro, s'il vous plaît. Oui. C'est pas ici les macros. C'est pas moi. Non, c'est fait, c'est bon. Alors, juste ici, vous êtes sur un plat qui a été inspiré par la Méditerranée, avec au centre un morceau de merlu cuit à basse température, avec juste en dessous des morceaux de langoustine. Pour ce qui est encore également en dessous, on va vous laisser découvrir. Et pour agrémenter, je vous ai rajouté un bouillon de langoustine, thym et citron. Bonne dégustation. Alors, par ici, vous allez pouvoir découvrir le guanadou, drapeau breton, à l'honneur. Et donc, pour ce plat, c'est à vous de venir découvrir ce qui est caché. Et puis, on inverse, vous allez nous présenter ce plat à la fin de la dégustation. D'accord. Bonne découverte. Merci. C'est gentil. Ah oui, c'est gentil. Alors, messieurs, dames, là, on continue sur le volaille fermière, coco de Rennes. Et là, on a anguille. La sauce en dessous, c'est une sauce estragon suprême. Là, on a mijoté des pommes de terre. Bonne découverte. Alors, par ici, vous allez pouvoir découvrir des petites serviettes chaudes infusées aux huiles essentielles de cèdre afin de vous rincer les mains avant de pouvoir passer à la seconde partie. C'est les desserts, donc c'est là que ça se passe, là. Normalement. Alors, vous, c'est Jean-Sébastien. Pâtissier? Pâtissier, ouais. C'est de la framboise que vous foulez là? C'est de la rose. La rose? C'est une vinaigrette à la rose. Avec les roses du jardin. Ce qu'il y avait dans l'entrée avec le macon. Ça c'est le premier dessert alors? Oui, c'est ça, c'est le carré potager. C'est petit pois, carottes et menthe. En fait, c'est le premier dessert qui représente les premiers légumes du printemps, avec les petits pois et tout qui sont arrivés. Si, vous êtes sur le premier dessert, il s'appelle carré potager. C'est un pré-dessert avec tous les légumes qu'il y a en face de vous dans le potager. Soudain, votre dessert est de autour de la rhubarbe et crème légère, et accompagné d'un pâtisserie. Là.
Alors, à l'honneur pour ce dessert, la fraise. Et donc, vous avez une déclinaison pour de la fraise. Donc, vous retrouverez les fraises brutes avec leur soupe de fraises. Et je viens mettre un petit sirop infusé. Fraises et huile de fleur de sureau. Vous découvrirez également un millefeuille fraises et crémeux de fleur de sureau. Et puis, le petit mochi caramélisé comme une crème brûlée. Donc, mochi glacé avec le sorbet à la fraise. Bonne dégustation. On a fait tomber un café, ensuite mis à infuser dans une crème légèrement fumée pour créer donc ce caramel que l'on a ensuite façonné sous forme de billes de bougie. On a emprunté l'idée à nos collègues du Danemark, le restaurant Nomage, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été élu plusieurs années de suite meilleur restaurant du monde. Oui. Et ils avaient fait donc une bougie, enfin une petite amuse-bouche sous forme de bougie. On a beaucoup aimé l'idée, donc on leur a emprunté en la remettant bien évidemment à notre goût pour créer ce petit trompe-l'œil. Très intéressant pour terminer le repas. Et là, je viens ensuite l'enrober dans un crumble de café. On a pour cette mignardise eu envie de faire référence aux lampes qui se trouvent juste au-dessus de vous, ainsi qu'au parc de sculptures qui se trouve donc tout autour de l'établissement. Et on sera sur un caramel de chocolat. Voici pour vous. Je vous souhaite une bonne dégustation.